Tiens, le mec, on va le prendre. Ben, non ! Attends ! On peut pas s'arrêter ici. C'est le pays des chauves-souris. On avait deux sacs bourrés d'herbe. Oh, super, j'ai déjà même 75 plaquettes de mescaline. 5 feuilles complètes d'acide en buvard. Une salière à moitié pleine de cocaïne. Une galaxie multicolore de remontants, sédatifs, hilarants, larmoyants, criants. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, 1 demi-litre d'éther pur et 2 douzaines de poppers. Dites-moi ! Hey, merci de m'avoir pris ! Je vous aime bien, vraiment ! Vous en faites pas pour moi ! Eh bien, attends une minute, reviens ! Donc, on a eu besoin de tout ça pour le voyage. Et quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite. L'avocat n'aurait jamais pu accepter la notion, pourtant souvent soutenue par les anciens drogués, notion selon laquelle on s'éclate plus sans les drogues qu'avec. Et moi non plus, d'ailleurs.